Le football est à l'honneur, le Chili est à l'honneur, Monsieur Rapin du même coup est à l'honneur puisque c'est lui qui va diriger notre équipe suisse en direction du Chili. Pour l'instant, Monsieur Karl Rapin a bien voulu venir nous parler un peu de ce voyage du Chili. Karl Rapin, vous avez, merci d'être venu tout d'abord, vous avez terminé aujourd'hui le camp de Macolin et je crois que vous partez demain pour Florence. Oui, je pars demain pour Florence pour voir le match Italie-France. Un adversaire à voir encore, c'est une utile leçon avant le Chili. Oui. Quel est le programme de l'équipe suisse jusqu'à son départ? Nous avons fini le camp d'entraînement, nous partons vite pour Angleterre, pour Londres, où nous jouons contre Angleterre. Et après c'est fini. Après c'est fini, c'est le grand départ pour le Chili. Quelle date? Le 17 mai. Combien d'hommes? Nous partons, je pense, avec 20 joueurs. Avec 20 joueurs. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est un bien de rencontrer l'Angleterre avant ce départ pour le Chili? Oh, vous avez là des avantages et des désavantages, mais c'est un match que nous avons conclu depuis longtemps et les Anglais ont vraiment tenu qu'on va aller faire la visite et nous avons été obligés plus ou moins d'aller là-bas. Vous partez ensuite le 20 pour le Chili avec 20 joueurs. Le 17. Le 17 pour, oui. Avec 20 joueurs. Est-ce que Meyer et Wüthrich seront bien? Je ne peux pas vous le dire encore. Ça difficile. Va se décider dans quelques jours. Votre premier objectif était d'atteindre le tour final du Chili. Vous l'avez atteint, cet objectif. Que pensez-vous faire au Chili? Le meilleur possible. Le mieux possible, on ne peut pas répondre autrement. Merci, Karl Rapin.